Je pense qu'on fait une prestation quand même qui est cohérente. Après, quand on s'aborde tout seul en fin de première mi-temps dans les arrêts de jeu, on peut pas espérer beaucoup plus. Sachant qu'on avait joué il y a 2 jours, donc on savait que sur le plan physique, ça allait être compliqué. On fait une première mi-temps qui est pas trop mauvaise, hein, mais avec une touche pour nous à 80 mètres de nos buts, on a le moyen de se faire contrer, donc c'est inexplicable. On fait un bon début de deuxième mi-temps et puis on reprend ce deuxième but qui nous tue complètement. Bon, on lâche pas, on a frisé la correctionnelle par moment. On a le mérite de marquer ce but, mais bon, c'est pas suffisant. Après, bon, je pense qu'on aurait dans ce genre de match, après Bordeaux, le minimum, c'était match nul. On aurait signé pour ça. Maintenant, voilà, il y a une grosse débauche d'énergie, il y a eu des satisfactions dans ce match-là, individuel. Donc voilà, c'est enrichissant. Il y a des joueurs qui ont montré qu'ils pouvaient enchaîner les matchs. Et ça, c'est bien. Maintenant, pour l'instant, on n'est toujours pas sauvé. Donc il va falloir chercher ce point ou cette victoire qui nous maintiennent mathématiquement en Ligue 2 l'année prochaine. C'est surtout les comptes qui nous ont fait mal. Après, je pense qu'ils étaient aussi un peu plus frais que nous physiquement, ce qui a permis justement de pouvoir amorcer quelques contres. Et quand ils arrivent à faire quelques contres et que notre défense n'est pas en place, c'est toujours plus facile pour eux. Et quand on regarde les buts qu'ils mettent, c'est un peu comme ça que ça se passe. Deux ballons, ils sont seuls devant le but et ils marquent. Donc c'est un peu désolant pour nous. Je ne vais pas dire que c'était difficile puisque je pense qu'on a bien entamé le match. Et encore, on fait des erreurs bêtes. Même pas l'adversaire qui nous a mis en difficulté, c'est nous qui donnons les buts à l'adversaire. Et je trouve ça vraiment dommage cette saison. Je pense qu'on a produit pas mal d'erreurs comme ça et j'espère que l'année prochaine, ça ne sera pas comme ça. Les détails, à un moment, il faut... ou les conneries ou les erreurs, il faut les apprendre, il faut que ça retienne. Il faut que ça reste là. Sinon, on ne peut pas avancer. Quand on prend tous nos buts, tu peux faire une cassette ou un CD, tu vas rigoler, quoi. C'est des trucs où tu ne devrais même plus voir aujourd'hui. Donc c'est compliqué de prendre des points ou d'aller gagner quelque part. Ce qui est dommage, c'est que bon, à Caen, à 10 ou à 11, à 10, on arrive à montrer des choses cohérentes, on est vraiment rigoureux, on fait des bonnes choses. Et puis là, même face à une belle équipe de Nîmes, attention, hein, mais je pense que si on est sérieux et on ne fait pas ses erreurs, on est à 0-0 ou on peut peut-être gagner le match. À partir du moment où on fait des erreurs comme ça, c'est compliqué de gagner des matchs. Maintenant, on est tous sur le même bateau, c'est pas les joueurs et les coachs, on est tous pareils. Donc aujourd'hui, il faut se remettre au boulot, il y a encore 5 échéances, il y a encore 5 matchs, on se doit de donner le meilleur et de prendre des points pour essayer de finir ce championnat de la meilleure des façons puisqu'on l'avait fait jusqu'à Noël et puis là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais bon c'est comme ça, en contrepartie il y a des satisfactions avec les jeunes. Donc c'est une bonne chose, il y a des anciens aussi qui confirment, maintenant il faut essayer de s'accrocher tous ensemble pour bien finir. Je pense qu'on était cohérent dans ce qu'on a fait, mais c'est des erreurs qu'à ce niveau-là qui payent cash. Je pense que sur une touche, il reste 30 secondes de jeu, on doit savoir gérer ça en tant que professionnel, on n'a pas su gérer ça, et deuxième mi-temps on revient au bout de 12 minutes, on prend un autre but qu'on peut gérer encore et très déçu ce soir. Ça restera bien sûr gravé à jamais dans ma tête, c'est le premier et surtout le premier à Bollard. Mais j'aurais aimé que ça puisse faire gagner l'équipe, mais c'est comme ça, j'essaierai d'en marquer un la prochaine fois pour qu'on puisse faire gagner l'équipe. Et c'est une satisfaction personnelle, mais bon, pas collective cette fois-ci.